Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment faire un retrait dans Timex Trading. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Timex est une entreprise qui vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de gagner de l'argent, soit 2,5% de votre capital chaque jour de lundi à samedi. Bon, je vais dire lundi à vendredi, donc disons pendant 5 jours ouvrés. Voilà, les retraits se font de lundi à vendredi. Les paiements, c'est-à-dire les achats de packs se font tous les jours, voilà. Donc le minimum de retrait ici est de 25 dollars, voilà. Donc ça c'est un briefing sur ceux qui connaissent pas encore la plateforme Timex, voilà. Et les paiements, les dépôts en Bitcoin. Maintenant, comme information à savoir, c'est que lors des retraits, déjà le retrait à Timex est de 6% comme frais de réseau, frais de retrait sur la plateforme. Maintenant, lorsque vous achetez un pack, par exemple, si vous avez un pack de 500 dollars, vous ne pouvez pas retirer plus de 500 dollars par jour. Donc, même si vous avez 5000 dollars de gains, vous ne retirerez que 500 dollars chaque jour. Vous attendez 24 heures pour faire un autre retrait. Donc, voilà, c'est ce qui est assez pas intéressant. Maintenant, pour ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter d'upgrader avec Timex ou d'avoir 10 comptes Timex. Avec Timex, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs packs sur un seul même compte. Comme vous pouvez le constater, déjà moi j'ai gagné déjà 3000 dollars avec Timex, donc j'ai déjà fait le 500% avec ce compte-ci plusieurs fois. Donc voilà, j'en ai deux, un à 500 et un à pratiquement 2000 dollars. Donc ici, c'est parce que je vais faire un retrait pour vous montrer comment faire le retrait à Timex. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir dans, c'est d'hésiter. En fait, c'est que ça traduit le motamotage de l'espagnol vers le français, mais normalement c'est faire un retrait ici. En anglais, c'est withdraw. Donc on va faire notre retrait. Oh ben cette plateforme, elle aime bien se faire la belle, hein. Elle prend tout son temps. Et les amis, sachez que pour faire un retrait, il vous faudra toujours une clé financière que pour l'obtenir, vous venez dans vos paramètres ici et ensuite vous cliquez sur clé financière. Parfois c'est écrit jeton. Tout dépend de comment Google a décidé de traduire ça le jour-là. Donc c'est un peu ça. Le gars s'est déconnecté. Bon, c'est pas grave, on va s'identifier à nouveau. Donc je vais aller sur ce compte. Je sais pas s'il y a l'argent dedans. Ah bah il n'a pas suffisamment d'argent. Donc je vais aller sur l'autre sur lequel j'étais. Excusez-moi les amis, hein, moi j'aime pas faire trop les petits retraits de 100 dollars là, ça c'est fatigant. Faut aspirer à plus. Voilà, par contre un retrait de 500 dollars, voilà, c'est intéressant. Donc comme je disais, on va aller dans c'est désister, donc c'est faire un retrait, hein. Mais si vous voyez ça, n'ayez pas peur, c'est pas comme si vous annulez votre compte. Voilà, donc vous venez ici au préalable. Si vous n'avez pas encore d'adresse Bitcoin, vous pouvez cliquer sur s'inscrire pour insérer votre adresse Bitcoin. Donc moi déjà je vais mettre là, je vais sélectionner celle qui est déjà là. Ici au niveau de valeur, vous renseignez. Voilà. Au niveau de valeur, vous renseignez le montant en dollars que vous voulez retirer. Donc, vous confirmez le montant.
Ici, c'est votre clé financière. Je sais pas si elle est enregistrée là, la clé financière, je me rappelle pas. Je vais faire demander un retrait dans l'espoir que ce soit ma clé financière. Mais si c'est pas le cas, c'est pas un problème, hein. Je vais juste aller faire un copier-paste. Normalement, si c'est ma clé financière qui s'est enregistrée là, ça va mettre request. Ça fait quoi? Request successful. Bon, pendant que ça refuse, voilà, je savais. Pendant que ça refuse, donnez-moi une seconde, je vais copier ma clé. Donc, je vais coller ma clé financière ici. Voilà. Donc, il faut toujours copier une piste. Voilà. Normalement, ça devait le faire. Et maintenant, les amis, vous pouvez voir l'historique de mes retraits ici, hein, pendant qu'on attend que. Voilà. Pendant qu'on attend le fameux message. Request complete. Successfully. Donc voilà, ma requête a été exécutée avec succès. Et quand vous faites ce genre, vous faites ce requête, vous allez recevoir un mail de Timex. Non, non. Vous allez recevoir un mail de Timex qui va, n'est-ce pas, vous confirmer votre retrait. Donc comme je le disais les amis, vous voyez que j'ai déjà fait plusieurs retraits effectifs. Donc si tu doutes du paiement de Timex, mon ami, sache que ça paye. Donc comme je le disais tantôt, vous pouvez voir là le retrait. Et donc le statut, le retrait a été effectué et statut en attente. Et d'ici maximum 2 h à 48 h, moi généralement dans les 2 heures de temps j'ai reçu, vous allez recevoir un autre mail avec le lien qui vous dit que votre transaction a été bien effectuée. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé, soit à faire un retrait, soit à vous permettre de pouvoir accéder à cette opportunité. Donc je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Si vous êtes nouveau, comme je le disais, surtout n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et avant de clôturer, les amis, ne l'oubliez pas, si vous voulez bénéficier de mes formations, de mes programmes de promotion, n'oubliez pas de renseigner, de cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour renseigner votre adresse email et votre pays. Donc, on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao!